Merci. Monsieur le vice-président, Madame la présidente des femmes, Mesdames, Messieurs les membres du conseil politique, militantes, militants et sympathisants de l'UFDG, je vous dis bonjour. Mes premiers mots, c'est un remerciement à l'endroit des militants de notre grand parti. Vous avez vécu ce qui s'est passé aujourd'hui à Conakry. Vous avez vu aujourd'hui, pendant au moins 15 heures de temps, il y a une forte pluie qui s'est abattue sur Conakry. C'est sous la pluie que les militants ont accepté de se déplacer, venir assister au siège de l'UFDG à notre Assemblée générale. Je voudrais donc, au nom du président Sédou, au nom de la direction nationale du parti, vous remercier. Ceux qui avaient encore des doutes doivent se rendre compte que l'UFDG est un grand parti. C'est un parti qui est debout. C'est un parti qui existe. Et c'est un parti dont les militants sont engagés. Vous savez, dans d'autres partis, si peu comme ça, ils sont obligés de chercher des bus, aller chercher des militants. Personne de kilomètre 36 en passant par le cas jusqu'à Conakry, le parti ne donne pas un franc à ces militants. Ils sont sortis sous la pluie, ils sont arrivés ici mouillés. Nous tenons à vous dire un grand merci. Vous avez montré que l'UFDG, vous avez montré que l'UFDG non seulement est un parti, mais vous avez le cœur et l'amour pour notre parti et pour notre pays. Je tiens à vous dire un grand merci. Je voudrais aussi vous adresser les chaleureuses salutations et les témoignages de reconnaissance de Hélène Sédou d'Alain Kalou. Notre présidente, Hélène Sédou, est à l'extérieur depuis un moment. Pendant 11 ans, incontestablement, il a participé à tous les combats. Chaque fois qu'il y a une manifestation, le président Sédou est devant. Il n'a raté aucune manifestation. Il est toujours là, présent, pour galvaniser les militants, pour galvaniser les responsables. Ce président Sédou d'aller aujourd'hui à l'extérieur. Il a l'extérieur pour plusieurs raisons. La première, il s'est dit en tant que musulman, il fallait aller à l'Agora. Il est allé à l'Agora. Deuxième chose, il a dit en tant que parti, puisqu'il est resté longtemps, vous savez, ce dont il a été victime ici, il a dit je n'ai pas eu de contact avec les militants à l'extérieur. Évidemment, le président Sédou est à l'extérieur pour rencontrer les militants et les responsables. Il est en mission du parti. Nous l'avons dit et nous avons toujours répété. L'UFDG est un parti sur le plan africain, sur le plan international, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Aucun parti politique n'est mieux implanté que l'UFDG. Le président est en mission, je pense qu'il a le droit d'aller remercier tous ces militants. Il est là-bas pour ça. Il a aussi le droit, en tant qu'être humain, de prendre le repos. Il a le droit de prendre le repos. Mais croyez-moi, et il m'a chargé de vous transmettre ses meilleures salutations. Il sera parmi nous. Il sera parmi nous et très très bientôt. Le jour où le président Sédou sera annoncé ici, nous allons nous arranger à ce
14 heures. Il n'entrera pas 18 ans, il n'entrera pas 18 ans, et il rentrera dans son pays à 14 heures. Parce que comme on a dit, ça tourne à Oula. Je pense que ça, c'est très clair. Je voulais aussi vous informer qu'il y a eu des réunions du G58 avec le RPG élargi à ses parties alliées. Il y a eu deux réunions majeures. La première réunion, c'était au siège de l'UFDG. La deuxième réunion, au siège du UFR, du président Sylvia Touré. Les partis politiques se sont réunis. Vous savez, lorsqu'on a vu le RPG ici, certains ont dit que le RPG et l'UFDG sont en alliance. Nous avons dit que ce n'est pas une question d'alliance. Nous sommes dans une période de transition. Il a été demandé à tous les partis politiques de faire des propositions. Nous avons proposé 15 mois. Nous avons créé un groupe de G58. C'est-à-dire que tous les partis politiques qui sont d'accord que la transition ne doit pas dépasser 15 mois se sont retrouvés. Donc nous nous sommes retrouvés pour créer des conditions pour que l'on puisse organiser des élections. Voilà les rapports et les liens qui existent entre le G58. C'est-à-dire que tous les partis politiques du G58 avec le RPG à casser. Au cours de la dernière réunion, il a été constaté que malgré notre volonté, malgré tout ce que nous avons eu à faire comme démarche, malgré tout ce que nous avons eu à faire comme explication, pour qu'on se retrouve autour de la table, pour qu'on puisse dialoguer, pour finir la transition de la paix, nous n'avons pas été malheureusement écoutés. La conclusion de la réunion du G58 et du RPG élargi à ses alliés, cette conclusion a été très claire. Un comité d'organisation a été mis en place. Ce comité d'organisation va réfléchir pour nous parler et nous donner les modalités d'une manifestation. La manifestation aura lieu, parce que si on n'est pas écouté, nous n'avons pas de choix, nous serons obligés d'adopter et de faire ce que nous appelons la manifestation. Il a été dit qu'il veut interdire les manifestations. Moi, j'ai dit que c'était une grosse erreur. Le monde entier regarde. La manifestation est consacrée. Personne ne peut empêcher quelqu'un de manifester. Nous avons manifesté pendant 10 ans ici. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est qu'il est dommage, quelle que soit la volonté d'un président dans ce pays, quelle que soit la volonté d'un président, malheureusement, les conseils qui sont à côté de lui les mettent souvent en erreur. Lorsque le colonel Doumbouya a pris le pouvoir le 5 septembre, lorsqu'il y a eu le coup d'État, lorsqu'il a pris, il a tenu des engagements. Le premier engagement, il a dit, je suis arrivé. D'abord, et moi, et tous les membres du gouvernement et les membres du CND, personne ne sera candidat. Il a dit, la justice va être la boussole. Il a dit qu'il va tuer l'ethnie. Nous avons aboli. Quand la population est souhaitée pour aboli, ça ne veut pas dire que la population a dit à légitimer M. le colonel Doumbouya. Nous avons aboli parce qu'il nous a sorti d'ici. La gouvernance de Chapapondé, c'était une gouvernance catastrophique. Il nous a sorti de cette situation. Mais il a pris des engagements. Mais croyez-moi, au moment où il prenait ses engagements, je suis plutôt convaincu qu'il était de bonne foi. Mais un être humain était un être humain. Les gens soient inscrits en
J'exprime le Tout-Puissant Dieu que lui-même se rend compte qu'il n'est plus en otage. À la manifestation. Si nous n'avons pas de solution, nous ne sommes pas écoutés.
à ne pas les écouter, à ne pas baisser les élections, les partis politiques n'ont pas d'autre solution que de faire des manifestations. On parle de 36 mois. Pas de 36 mois. Personne ne vous dit quand est-ce la transition va commencer. Est-ce que quelqu'un connaît la CSA là quand est-ce la transition va commencer? Dit que la transition va commencer le jour où les activités vont commencer. La transition va commencer le jour où les activités vont commencer. Moi, à mon âme, la vie, si je dis que la transition c'est 36 mois, je mets les délais, je mets les activités, je dis, bon, je vais commencer les élections locales telle date, je vais faire les élections des natifs telle date, je vais faire les élections présidentielles telle date. C'est ça, un délai. C'est ce que nous avons comme programme. Mais on se lève, on dit non, c'est 36 mois. Peut-être les 36 mois, mais je vais pas les 36 mois vont commencer au mois de mars 2025. Ou les 36 mois vont commencer en 2030. Parce qu'on a dit 36 mois, mais personne n'a dit quand ça commence. Quand le ministre public dit que la région va commencer le jour où les activités vont commencer, c'est 34. Et quand on dit que les manifestations vont rétablir la tradition. Là aussi, je pense que là aussi c'est grave, là aussi c'est immonde, là aussi c'est inacceptable. Il faut que ce pays avance. La tradition n'a pas pour objectif de tenir le pays. L'objectif de tradition, c'est d'organiser des élections et terminer. La tradition n'a pas projeté de faire des routes de tout ce qu'il y a. Nous devons savoir ça et tout le monde doit le savoir. Et ce qui est le colonel Moura doit pouvoir lui dire qu'il a l'occasion à jamais de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Il ne faut pas qu'il écoute des gens qui ont toujours tourné, qui sont des conseillers, mais des conseillers néfastes, des conseillers qui ont pour objectif de le détourner et de l'empêcher d'aller. Tout droit, nous l'invitons, nous demandons au colonel Moura, nous avons encore la volonté de nous retrouver autour de la table avec lui, les acteurs qui comptent. Si vous demandez aujourd'hui dans ce pays, quels sont les partis politiques à n'importe quel Guinée et où nous sommes. Il ne faut pas continuer à perdre du temps. Ce que moi j'appelle perdre du temps, c'est le fait ce qu'on appelle les assises nationales. Assise nationale, les gens vont à l'intérieur, ils reviennent, on n'a pas le résultat. Le CNT sort ici pour aller aussi rencontrer la population. On revient, on ne sait pas quel est le résultat. Maintenant, on nous dit que le gouvernement aussi doit aller à Jérémy pendant un mois, aller vers le conseil de ministre à Jérémy. Pour quelle raison, c'est pas. À l'intérieur, il n'y a pas d'eau. À l'intérieur, il n'y a pas de route. À l'intérieur, il n'y a pas de nécessité. À l'intérieur, les gens ne mangent pas trois fois par jour. À l'intérieur, il n'y a pas de service santé. À l'intérieur, il n'y a pas de médicaments. À l'intérieur, il n'y a rien. On n'a pas besoin d'aller à l'intérieur pour savoir ça. Le CNT est composé des représentants de l'intérieur. Si ce n'est pas pour perdre du temps, on ne peut pas aller. Nous demandons qu'on nous donne la date des élections. Organisons les élections pour qu'on sorte de cette situation-là. La Guinée est un pays qui a souffert. Pendant 11 ans, nous voulons, honnêtement, que ça se calme, nous voulons qu'on sorte de cette situation-là. Conseil des ministres, à l'intérieur du pays. Est un homme du peuple. Le président Sénégalais aime la Guinée, aime les Guinéens. Je voudrais ici, à votre nom, demander encore au colonel Doumbouya, qui est le président de la transition, d'accepter
étudier les questions concernant la tradition, nous avons la possibilité de démontrer au Cameroun qu'on peut organiser les élections en 15 mois. Nous avons la possibilité de le démontrer. Il ne faut pas que ça continue. Parce que si ça continue, il y aura des manifestations. S'il y a des manifestations, ça peut ternir sa gouvernance. S'il y a des manifestations, ça peut jouer. Parce que quel que soit ce qu'il y a, il est le premier responsable. Il a cette députée des bons guinéens. Les bons guinéens, c'est ceux qui peuvent le regarder en face, lui dire la situation n'est pas bien. Ceux qui sont capables de dire attention, monsieur le président, ceux qui vous entourent ne vous aiment pas, ceux qui vous entourent ne disent pas la vérité, ceux qui vous entourent n'aiment ni la Guinée, ni vous-même, ils aiment leur intérêt personnel. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Et il faut que le colonel Doumbouya accepte de savoir que la Guinée est un pays membre de la CEDEAO et que c'est nous qui avons participé à la mise en place de la CEDEAO. On n'a aucun intérêt à continuer à attaquer la CEDEAO, continuer à crier, à dire ici comme si on était des braves, comme si nous sommes le Mali, comme si la Guinée n'est pas le Mali. Le Mali est le Mali, la Guinée est la Guinée. C'est notre pays. Nous aimons la Guinée, c'est pas la peine. Le colonel Doumbouya doit prendre attache avec les membres de la CEDEAO pour qu'ils se retrouvent, pour discuter, pour ne pas que ce pays-là soit sanctionné. Si les élections ne sont pas organisées, s'il n'y a pas de délai, parce que les questions qu'on pose, qu'on contourne, tout ça, on montre en descente, c'est parce qu'ils n'ont pas donné un délai correctif. Je donne un délai, il continue ce qu'il a à faire, on organise les élections et on en a fini. Puis dans la paix, dans la tranquillité, et le pays continue. Parce que l'UFDG au pouvoir ici, je voulais le dire ici au pouvoir, le colonel Doumbouya peut savoir qu'il peut compter sur l'attaque matérielle. Il lui est bien au pouvoir, le colonel Doumbouya sera traité dignement comme quelqu'un, un ancien président. Il sera traité comme quelqu'un qui a débarrassé la Guinée de celui qui était le premier dictateur. C'est ce que nous souhaitons. Lui est bien, je ne cherche pas de problème. Il ne faut pas qu'on nous oblige à l'assurer. À l'arrivée là. On ne veut pas qu'il soit. La manifestation n'est pas notre volonté. On ne veut pas faire la manifestation pour la manifestation. Mais si on n'a pas de solution, si on n'est pas écouté, si on nous prend comme si on avait de la boue dans la tête, nous allons exercer notre droit. Et le droit que nous avons, c'est le droit de manifester. Je voulais terminer ici. Je voulais terminer, puisque nous sommes restés longtemps, à vous dire que l'UFDG n'a jamais été consulté, on ne nous a jamais consulté, on ne nous a pas dit d'appuyer quelqu'un dans le gouvernement, on ne nous a pas dit que c'était un gouvernement de transition, nous n'avons aucun représentant dans le gouvernement de M. colonel Doumbouya. Que ça se soit très clair, nous n'avons envoyé personne ne parle à notre nom. Les actes qui sont posés par le CNRD n'engagent pas bien PG, parce que le PG n'a aucun représentant dans le gouvernement. Que ça aussi soit très clair, parce que si nous voulons envoyer quelqu'un, c'est nous qui l'envoyons. Donc on n'a envoyé personne, que personne ne parle à notre nom, que personne ne dit qu'il est notre représentant dans le gouvernement de M. le colonel Doumbouya. Je pense que ça aussi doit être très clair et net, parce que ça là, nous n'avons rien à voir dans ça. Il ne faut pas que quelqu'un parle à notre nom. Colonel Doumbouya n'a jamais appelé une seule fois le président Sénégal pour dire c'est nous, président Sénégal, est-ce que tu as quelqu'un à nous proposer? On n'a proposé personne, que personne ne parle à notre nom. Ce que le CNRD n'engage pas l'UFDG parce que nous ne sommes pas membres du CNRD. Je voudrais donc, monsieur
chapitre présent, je voudrais terminer mon propos là en vous disant et en vous remerciant et en vous disant de rester à l'écoute et de rester mobilisé. Vous aurez des informations à temps opportun. Je souhaite qu'on s'attende. Si on ne s'attend pas, personne ne peut empêcher une manifestation de l'esprit. Merci.